Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous procédons à l'installation de nouveau directeur général par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord au Généant pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenue s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est grâce à son action. Merci encore. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer un nouveau directeur général. C'est M. Franz Aubé. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons pour que l'ordre soit rétabli dans le pays, que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale. Et qu'ensemble, nous puissions retrouver la voie de la stabilité de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections, mais pour avoir des élections, il faut avoir la vie, il faut avoir la sécurité. Nous n'allons pas faire de bons discours. Nous disons le temps est au travail et la population compte sur vous. Je voudrais vous remettre une copie du moniteur. C'est une copie de votre nomination comme DG. Nous espérons et nous souhaitons, et nous en sommes certains, que vous aurez la coopération de l'ensemble de la police. Merci pour ce que vous faites. Merci. Au moment où le pays fait face à de graves problèmes d'insécurité, les cas d'enlèvement s'intensifient à travers toute la zone métropolitaine. La libre circulation des personnes n'est pas garanti. Dans certains quartiers, les gangs font la loi. La situation sécuritaire est accablante à un tel point que la police et la population est alarmée. Cette situation d'insécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance, l'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe à tout un chacun d'apporter leur contribution au redressement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des stratégies et des actions bien définies s'avèrent indispensables.
niveau de la police nationale d'Haïti, le commandement, le recommandement uni, j'ai bien précisé, le recommandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leurs tâches en ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. En vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leur forfait, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes à feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat, ça a besoin d'appui tout le monde dans la population, quel que soit côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe côté. Là, le moment, le pays a besoin de toute petite ligne pour que nous redressions la situation que nous avons aujourd'hui. Frère Axum, policier, on connaît que nous avons confronté un pile problème. Et des fois, nous sentons frustrés. Nous quand même dépassé de nous-mêmes, sans nous perdre du contrôle, tellement frustration est grande. Il y a des fois nous sentons délaissés. Il y a des fois nous avons le courage pour nous prendre la rue. Certains de nous. Et nous avons le courage, tout 21 garçons avec femmes, malgré toutes les difficultés qui gagnent, malgré tous les problèmes qui gagnent, qui toujours prennent la rue pour répondre à la responsabilité qu'ils ont. On promet nous que le recommandement avec l'autorité politique, main en main, parce que nous allons prendre des mesures, pas à pas, pour que nous améliorions les conditions de travail policier. La population réellement compte sur nous. Le moment difficile ça. Moment demandé un pile sacrifice. Lui demandé un pile engagement. Parce que moment n'est pas un moment de jouissance de privilège. Donc c'est un moment de sacrifice. Un sacrifice pour le pays, un sacrifice pour la population. M'a profité présence de Jésus-Christ pour courage lui. Je présente les félicitations pour le courage de l'autre fois encore. Parce que dans un moment si difficile, il résistait pendant un paquet de temps et il baille toute colle, toute l'âme pour le travail avec les policiers pour redresser la situation. À un moment important, il demande pour un autre frère qui est d'eau près de 20 pour le gourmet. Donc c'est ainsi que je dis à lui remettre mon commandement pour que nous travaillions ensemble, commandement, tout policier, pour nous mettre ensemble avec la population pour que nous levions chaque loup que nous avons traversé, que nous avons porté aujourd'hui pour rendre l'APNH plus effectif, plus effective et opérationnelle. Nous comptons également sur le support de nos partenaires internationaux, que nous saluons sérieusement. La police a besoin de tout le monde, tous les secteurs. Je ne voudrais pas être trop long. Comme dit
Monsieur le Premier ministre, le moment n'est pas à la parole, au beau discours, mais aux bonnes actions. Par rapport à l'incident dimanche 17 octobre 2021 qui était fait et dans la zone Pont Rouge, côté que les membres du gang Genève en famille et alliés, ils étaient attentés à la vie de les membres du gouvernement. Et parquet n'a pas décidé de croiser les bras via incident ça. Et depuis le jour qui suit, parquet a décidé des mandats d'amener contre les membres de cette association et qui a créé un pile trouble dans la société. Je dis, hein, donc on équivalait problème qui gagne la société à par rapport avec action que groupe ça a bail et qui empêche à ce que citoyens circulent, qui empêche à ce que monde voit petit à l'école, qui empêche à ce que monde qui doit aller travailler, il y a des difficultés pour ça. Nous décidons pas croiser bras dans ce sens ça, parce que Pankea lui-même lui en tant que chef de la poursuite et suivant disposition la loi bah, et la loi bah nous pour nous chercher rechercher et by l'ordre à la police pour rechercher tout le monde qui est impliqué dans toute action ça y a. Et nous comprenons aujourd'hui c'est une nécessité par rapport avec problème société à et endurer nous pas qu'à faire mes yeux nous sommes ensemble de bagaille qu'a fait parce que chaque jour nous senti que gagne de problèmes qu'a bail et chaque fois problème yo a bail tout ça qui fait yo toujours lancé contre le gouvernement. Et en tant que commissaire du gouvernement, nous décidons aujourd'hui, hein, par rapport avec Action Sayo, nous décidons, bail la police l'autre pour rechercher tout le monde qui est impliqué dans l'acte Sayo. Et des mandats ont été déjà décernés contre les membres du groupe Genève, qui a décès avec des CPJ. Il y a aussi des intentions de départ contre un certain Busta John. Mais je sais où dans Flanner. Qui à travers les réseaux, à travers Facebook, qui a incité, et non seulement incité, l'a créé de possibilités pour troubler la société à par rapport avec ça que l'a fait. Puisque M. Aviv Canada, il pensait que la loi n'a pas servi contre lui. Et c'est ça que nous ordonnons à ce que directeur de l'immigration, hein, lorsque M. Gué pour le voyager, l'a quitté M. et parqué à lui-même, l'a recherché M. et mené dans le parquet pour le connaître, sous qui base que l'a fait toute action ça. Yo. Et nous pensons avec raison ça, nous prenons avancer contre tout le monde qui pensait à travers les réseaux sociaux, à bailler bandit micro, faire de bagailles contre la société, hein, et nous ne pas tolérer ça. Et nous pensons que l'intolérable tolérable aussi aujourd'hui, hein, pour les réseaux sociaux, Vincent, c'est au service des bandits, des gangs armés, et qu'à bailler au micro pour faire ça et ouvrir dans la société. Hein. Et c'est ça que fait, nous écrit avec l'association média en ligne. Yo, association ANMH, AMI, nous menons une rencontre pour nous chiter sous ça et pour nous parler, pour nous comprendre et chercher façon pour nous équilibrer information qui a venu chaque jour. Pendant que bandits a utilisé les réseaux sociaux, a utilisé la presse en ligne pour eux-mêmes, pour eux faire ça au V et nous ne pas tolérer des bagailles comme ça. Et je dis encore, on a annoncé un problème que nous avons dans le parquet. Deux personnes qui ont porté plainte chaque jour. Et qu'a porté plainte qui ça qu'a fait par rapport avec deux monde, il a relé au téléphone, a fait des menaces et il a demandé au porter l'argent vini pour pas kidnapper pour pas faire de bagages qui mal. Et n'a annoncé tout le monde ça qu'a fait action ça yo, nous en contact permanent avec compagnie téléphone immobilier, n'a remonté avec filière yo, n'a joindre yo et pendant que nous joignons n'a servi compte yo avec la plus grande rigueur et n'a annoncé aussi avec journaliste qui a bas micro avec bandi aussi pour yo prendre yo parce que lorsque on a fait ça ces sociétés a troublé et nous pensons avec tout ça que n'a pas annoncé là nous pral commencer et gens que nous commencer faire là et nous pral faire Jean ça doit nous t'ai annoncé pour gaz là déjà mais ça que nous pral faire nous faire des actions dans ce sens ça et nous voit comment société a lui applaudit avec ça et toute notre bagaille nous senti qui pour redresser la société, on a cherché moyen pour redresser de parce que pour la société à lui-même, il vit en paix. Genève, il gagne non seulement un coordinateur, il gagne aussi un porte-parole. Et nous pas jamais l'autre monde qui prend la parole au nom de Genève. Et non seulement, il fait action à l'attentat à la vie
des membres du gouvernement, mais aussi ils ont dit à travers les réseaux sociaux, mais ça qu'ils ont fait comme action. Vous connaissez déjà, c'est le fameux Jimmy Chérizier alias Barbecue. Moi, c'est que, puisque le CBJ, la police, l'autre déjà, on a demandé la police, recherchez monsieur et menez monsieur par devant la justice pour la justice faire ça que lui-même lui devait faire de façon forte. La notion de refondation de la nation est un concept universitaire qui fait la jonction entre les sciences politiques et les sciences économiques, surtout en période de crise dans les pays de toute cette planète qui s'appelle la Terre. Mot ça, l'y sont-ils en vibration sentimentale de la profondeur de l'Antiquité, ce mot qui s'appelle la patrie a pris naissance, vous le savez tous et toutes, dans l'histoire générale, à Rome. La patria est bien une œuvre de la Rome antique. La refondation ne l'est pas par contre. Mais c'est au nom de l'association, de la réunion de patrie et de refondation que Elansa, que l'a présenté devant presse locale là, y prend naissance. Pendant 3 mois, réunion après réunion, des hommes de provenance diverses, des acteurs qui ont vécu les tragédies qui sont les nôtres, ils ont décidé que face à ce qu'il y a un auteur qui s'appelle Adriana Santiago Rele, la reconquête de l'indépendance volée, pour y pencher sous tragédie que le peuple a vive pour y refonder nation. Qui tragédie? Une jeunesse déboussolée qui, comme Georges de Gustave Dill, dans le livre qui révèle la conscience révolutionnaire, les idéologues de la Révolution française de 1789, c'est aux générations perdues. Simon, tranche d'âge entre 12 et 42 ans, il a quitté le pays parce qu'il est devant un impasse, il n'a pas d'avenir. Je n'ai pas dire là, les poulains de l'école, il n'a pas connu s'il a privé devant porte là, il n'a pas connu s'il a mouru en route. Femme enceinte a mouru en dedans porte radio. Chaque jour, nouvelle qui a tombé dans la radio, dans les médias, puis Dieu passe ça qui t'a gagné en 2 jours. Chaque année, 600 000 nouvelles bouches à nourrir. 1% seulement dit l'ONU qui était de forêt forestière. Production antibonicienne de durian inexistante. Un paquet de monde en Haïti qui connaît que l'envie, y a pas jamais de machine. Jeunesse là, il y a des gens qui connaissent, y a pas jamais de madame. Y a connaît, y a pas jamais de petite, qui a une éducation sérieuse. Délinquance là envahit partout. Mais ça qui fait que ARN décide de refonder l'action parce que Maurice Merleau-Ponty dit ou pas fait philosophie en dehors de la condition humaine. Nous-mêmes, Madame Sarah, qui est pour sigle Ramsa, décidons de rentrer dans l'Alliance là pour nous combattre toute forme d'exclusion dans le pays d'Haïti. Le nom ARN, nous voulons Haïti sortir dans la situation grave ça liée journée aujourd'hui. Pour nous libérer toute femme voyante, cap goumé, des petits cocons cap goumé à Bérégène, pour nous casser chaîne misère à tout secteur défavorisé,
bataille là difficile, c'est vrai. Les nous gardons, affaires de développement pays pas nous, pas marché par rapport à tout pays sous terre. Ça t'a fait nous décourager, mais n'a prêté plus soudé, n'a continué à goûter jusqu'à ce que nous jouions victoire pour toute forme qu'a goûté. Si il y a un problème, il y a une solution. Vive Haïti, vive Drapon, vive Ramsa, vive ARN, sans discrimination, merci. Ce n'est pas une nouvelle pour personne, ça qui a passé dehors. Sa pays d'Haïti a confronté aujourd'hui. Personne n'a pas besoin d'expliquer personne ni, parce que tout le monde connaît, tout le monde a vécu les chaque jour, tout le monde victime de lui. Avec la seule différence, moun qui responsable problème sa yo, yo fait comme si yo pas connaît, si c'est yo qui engendre il. Moi-même, Willow Joseph, comme d'habitude, moi toujours bon côté population. Tout côté décision à prendre dans l'intérêt de la population, moi toujours là. Et c'est ça qui fait, je dis, moi je viens là pour me dire, non, non, alliance que moi la donne, non, qui donc, l'embarque de l'alliance, moi la donne de l'exemple national. Je viens pour me dire nous, problème pays, c'est problème nous tous haïtiens en général. Et c'est nous tous qui sommes responsables malheur pays. Je ne suis toujours pas épané de tête de monde qui t'a dirigé pays. Je suis quitté ministre, je suis quitté directeur général, je suis quitté député, sénateur, magistrat et autres. Président, c'est nous qui mettons pays à côté de lui là. C'est politiciens haïtiens qui mettent nous dans la situation nous aujourd'hui là. Personne ne peut ni si pour monter, ni si pour descendre. Et jusqu'à présent, ils continuent à goumer entre eux. Ils pour qu'on ait tapé là, pour que conscience la prenne, pour tout le monde mettre ensemble, pour ça changer. Parce que tout pays sur la terre qui a toujours des problèmes, tant qu'on a par exemple Burundi par exemple, qui fait 15 ans. 15 ans de guerre civile, après assassinat président, je dis à Burundais, admettre que le problème, non, c'est problème pas yo, yo entendent pour résoudre le problème Burundi. Burundi t'es même participé dans la soi-disant mission, la paix qui est en Haïti dernièrement. Nous avons l'exemple Rwanda, nous toujours prenons crise post-électorale Santo Domingo, comment on toujours résoudre? Parce que c'est politiciens. C'est eux-mêmes qui appelaient pour prendre pouvoir. C'est eux qui appelaient pour diriger le pays. Et c'est eux toujours dirigés. C'est politiciens nous qui mettent nous côté nous là. Je demande à tout haïtien pour que nous prenions conscience là. Quitte ou t'es dans le pouvoir, quitte ou pas dans le pouvoir. Problème non, c'est problème nous. C'est nous qui engendrons le problème nous. Il faut que nous dégagions pour nous résoudre. Parce que bah, la vie est trop mal, personne ne va faire avec elle. Il est dépassé la bonne. Premier ministre Ariel, l'attendez-moi. Je vais vous message pour lui parce que nous-mêmes, ARN, nous signons accord avec Ariel pour le pays à diriger bien. Je dis Premier ministre, le pays à pas diriger. Le pays à pas gouverner. Moun ki la yo pa nan plas yo. Nap di PM nan gen deux possibilités. Nan phase Haïti trouvé la. Nan phase nou ye kounya la. Et c'est pas seulement Port-au-Prince, c'est tout province, tout pays en général. Si PM nan senti que li pa gen garçon nan taille, li senti l pa capable, mande l fon choix. Dans pièce pays dans le monde, comme dit le dicton, on ne dirige pas avec ses ennemis. Pays pas dirigé avec ennemis. C'est colonne, c'est partisan, c'est équipe qui dirige le pays. N'a pas dit Premier ministre,
Dégagez-le comme M. Jean-Jacques pour mettre le gouvernement en campé. Dégagez-le pour combattre le phénomène de sécurité qui est dans la rue. Chômage, gangou, toute forme de violence qui est là. Pour enfin mettre le conseil électoral provisoire pour faire élection. Même si chaque temps qu'il y a élection dans le pays, il y a une mal. Mais quand même, son régime démocratique, nous sommes obligés de faire élection pour que d'autres pays aient élus légitimes, au moins pour nous recommander, nous devons continuer la bataille pour ça changer. Pour nous remembrer la famille. La famille, qui c'est la première plateforme en société, pendant qu'on a introduit un autre système éducatif, côté le civisme aura droit de cité. Nous allons suspendre former mon diplôme. Nous allons commencer à former jeunes femmes, à jeunes garçons qui ont vision, qui peuvent créer richesse, qui peuvent créer business, créer emploi, mais surtout qui accrochent à Tessa. Que les ancêtres nous, avec ça au déversé, te quitter pour nous. Pendant que nous avons la guerre des guidons pour une décentralisation, nous allons dégager nous pour mettre Jean-Jacques pour nous encadrer paysans nous. Ça fait pour petit critique, n'importe qui là. N'importe qui cyclone. Paysan perd du jardin, il perd du bête. Il y a deux choix entre venir porter au point sans la boule en misère ou bien prendre en tête, il faut que ça finisse. ARN dit faut que ça finisse. Mais pour finir vrai, pour finir net, il faut qu'une institution, l'État, qui pour subventionner, pour faire jouer prêt, pour lui acheter un grain, acheter des outils, remettre jardin en campé, acheter bêtes, et même plus bêtes que les gagnés avant le cyclone. Et ne pas oublier les femmes voyantes, madame Sarah, qui c'est maman nous tout qui là, c'est au même jour et nuit, qui a vendu, qui a fait des filles ici, qui a fait des bénéfices, a fait des pourri, il a perdu pas jamais bouquet. Pour faire nous tous camper là, il faut nous encadrer, il faut qu'il y ait un crédit pour continuer pondre magistrats, députés, sénateurs, intellectuels, ministres, présidents, premiers ministres. Chers compatriotes, nous sommes en train d'assister impuissants les jeunes qui désespérément laisse Haïti pour n'importe quelle destination, à n'importe quel prix, et des valeurs qui vont être au service d'autres nations étrangères. Sous cette ligne, la RN va œuvrer à créer des conditions pour les garder sur leur terre natale et du coup facilitera l'intégration pleine et entière de tous les Haïtiens vivant à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, sans exception aucune. Quelle que soit leur nationalité, sans exception aucune. L'Alliance en profite pour faire appel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats, associations d'étudiants, associations patronales, paysans, secteurs informels,
les invitant à la rejoindre pour ce regain d'espoir. La RN entend s'engager avec un enthousiasme patriotique, doublé de civisme inébranlable au développement de notre chère patrie Haïti. Ce terrain qui nous anime est un atout indispensable pour notre pays confronté à de lourds défis qui nous exigent à faire front commun afin de mettre un terme à cette descente aux enfers. Dans la limite, nous sommes là, je dis, nous ne pouvons pas descendre plus bas encore. C'est vrai, chère Lalo, les loups en pile. Mais c'est nous toutes qui vous mettez ensemble pour nous porter. Combattants de tous bords, vous êtes tous invités à vous mettre au chevet de notre mère patrie Haïti, qui aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de votre assistance et de votre support. Haïti pas péri, Haïti pas de noir péri, RN pour le travail, pour Haïti tout neuf. J'ai l'honneur d'installer un nouveau inspecteur général en chef de la police pour continuer le travail de l'ancien inspecteur général en chef de la police que j'ai eu le plaisir de côtoyer pour la première fois, ça fait près de 25 ans, quand il était au Palais National. Je le remercie pour ses services, ses bons et loyaux services. Et j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau inspecteur général en chef, que lui aussi, on a eu le plaisir de se fréquenter au cours de ces années de service. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de notre existence de peuple, où beaucoup de gens se plaignent, il y a une restriction de la liberté des personnes, du déplacement des personnes, des biens, du déplacement des biens. Et beaucoup de gens souhaitent un renouveau dans la police nationale d'Haïti. Et c'est la raison pour laquelle que nous-mêmes qui sommes du gouvernement, nous sommes à l'écoute du peuple et nous avons procédé à certains changements pour revigorer et donner un nouvel élan à la police nationale d'Haïti dans sa fonction de protéger et de servir le peuple haïtien. Je ne vais pas être long. Sans plus tarder, je cède le micro pour continuer la cérémonie. Aujourd'hui, le devoir m'appelle à une nouvelle fonction au sein de la police nationale d'Haïti, dans un contexte particulier où toutes les institutions du pays font face à des difficultés, notamment la police nationale d'Haïti. Je réponds affirmativement à cet appel de l'histoire pour continuer à remplir ma mission en tant que policier qui avait choisi d'intégrer cette institution depuis les années 1995 et déjà 26 ans de service à la population haïtienne. Aujourd'hui plus que jamais, la PNH doit compter sur toutes ses ressources afin de répondre efficacement aux attentes de la population haïtienne. Policières, policiers, je dis à nous, t'as aimé faire bel discours dans une belle occasion comme ça, mais nous plus besoin de temps pour nous travailler que pour nous parler. Mais ça n'a pas empêché que je m'adresse à policières et policiers qui sont ressources police nationale. Je dis à la police a besoin
pour tout élément, à quel que soit échelon qu'elle a appartenu, pour lui resserrer les rangs. Avec nouveau leadership qui est installé dans la tête de la police là depuis l'installation du nouveau directeur général, Franz LB, qui depuis notre première rencontre li, avec l'état-major, voulait prôner une nouvelle philosophie d'unité, de solidarité au sein de la police nationale d'Haïti. Et nous promettre, directeur général, là, que nouvelle vision, ça, nouvelle philosophie, ça, que livrer, insuffler à la police nationale, là, moi-même, en tant qu'inspecteur général en chef, n'a mettez tout en œuvre pour nous permettre que esprit d'unité, ça, esprit de commandement uni, esprit de solidarité, qui pour fortifier le travail de la police, là, qui pour rebailler la police la confiance à tous les niveaux, je vais garantir que le cas compte sous moi pour m'accompagner dans la mission. Ça. Pas gagner la police sans policier. Pas gagner la police sans un commandement qui inspire confiance. Et je dis à ces confiances ça, que nouvel état-major voulait porter pour la police là à tout niveau. Je remercie le directeur général là pour confiance qu'il place dans moi. Directeur général, merci. Parce que vous faites choix de moi pour venir nouvel inspecteur général en chef. C'est un honneur. Et nous allons continuer de travailler avec même loyauté et même esprit d'engagement qui toujours habite nous pendant tout cheminement nous en dans institution policière. L'inspection générale doit refaire image ou bien perception ou bien fausse perception ça que même lui a toujours gagné de lui, policier ou surtout. Une perception qui t'a voulu faire quoi que l'inspection générale là, lui là, pour lui faire abus, pour lui sanctionner, pour lui faire tort aux policiers. Non. L'inspection générale, telle que sa mission est définie dans les articles 37 et 38 de la loi portant création de la police nationale, est certes un organe de contrôle, un organe d'enquête, mais c'est également un organe qui doit veiller au bien-être des policiers. L'inspection générale là supposé, oui, faut qu'il fait travailler selon la loi prescrit pour le faire enquête, pour le faire recommandation à directeur général là. Laisse ça nécessaire pour les sanctionner, c'est vrai, mais l'inspection générale là, dans l'autre volet fondamental dans la mission ni que la loi bali, pour les veiller à bonnes conditions de travail policier, pour les veiller à bien-être policier, pour les veiller à ce que les membres de l'institution qui victimes d'un exercice fonction pour l'assurer auprès des services concernés que prise en charge fait normalement et régulièrement pour capable porter assistance, soit à policier à lui-même, qui était capable victime ou sortir avec un handicap dans le cadre fonctionné, et plus loin, à dépendant, famille, petite, pour que l'inspection générale la veille à ce que la prise en charge soit faite efficacement. À l'inspection générale, nous allons créer des parcelles de communication avec toutes les institutions, notamment les institutions qui travaillent dans le domaine de la promotion et de la défense des droits humains. Sous commandement par moi, l'inspection générale là, inspection générale là pour espace ouvert, pas bien rien qui tabou.
c'est pour toute institution partenaire qui a accès à méthode ou bien mode de fonctionnement inspection générale là pour nous capables inspirer confiance à tout le monde pour que l'inspection générale n'a pas une perception que son instrument de persécution ou un instrument côté que nous capables à tout moment utiliser contre telle ou telle catégorie de policiers. Sous commandement pas moins rassurer nous, policières et policiers. Inspection générale là, les papillons calvaire. Non. Nous tendez, et moi-même en tant que monde qui te fait partie, qui fait un parcours, qui côtoyait tout niveau la police là, de la base jusqu'au plus haut niveau, moi content de doléances. Inspection générale là, c'est papillon calvaire. Pas bien préjugé dans l'inspection générale. Nous pas qu'à prononcer sentence avant enquête. Non. Pas bien préjugé. Il faut que l'on rentre l'inspection générale, ou qu'on ait, on rentre dans espace côté que il y a tant de ou et on a bien droit pour exprimer ou. Il n'est pas pour calvaire. Mais il n'est pas pour la cour de création tout. Non. Il n'est pas pour calvaire, mais il n'est pas pour la cour de création tout. Ça veut dire que l'ordre, discipline, le respect des principes du règlement général de la police nationale n'a veillé à ce que y ait respecté selon sa disposition, sa prévoit. Je veux rassurer tous les policiers, toutes les policières que désormais les portes de l'inspection générale seront ouvertes pour vous accueillir, pour vous accompagner et pour vous défendre au besoin, même si nous pas mettez de côté pouvoir ou bien obligation de contrôle que la loi ban nous. Et s'agit. Est-ce que ces structures qui manquaient renforcées, n'a pas renforcé structure? Nous promettons au directeur général que ensemble de problèmes qui souvent portaient atteinte à l'état d'âme policier, qui portaient atteinte à la motivation policière. Nous allons agir sur eux, nous allons agir sur eux vite. Même j'entends, nous allons dire aux policiers, commandement ça, nouveau commandement ça, pas une ronde d'observation. Parce que la tâche qui nous attend est pressante. La population a compté sur nous pour résoudre, ou du moins pour améliorer au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous résoudions définitivement le problème de sécurité qui est dans le pays. La population a compté sur nous. Mais connaît que la police est capable. Nous connaît que la police est capable. Nous comptons sur l'autorité politique qui pour accompagner l'état-major, accompagner le directeur général là, dans de nouvelles stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour nous capables de permettre que la population aille souffre. Nous ne pouvons pas faire promesse. Mais nous voulons que, à partir d'aujourd'hui, tout policier, toute policière connaît que ce soit au niveau de direction générale, là, que ce soit au niveau de l'inspection générale, là, porte là ouverte pour nous venir et porter tout ça nous gagner comme doléance, comme revendication, pour nous adresser, pour nous analyser. Et au fur et à mesure, pour des solutions avec. Monsieur le directeur général, vous pouvez compter sur ma franche et loyale collaboration. C'est ça qui est toujours caractérisé moi pendant tout parcours dans la police là. Et les différents directeurs généraux que j'ai chance de travailler avec eux témoignent de ça souvent. Mais c'est un collaborateur loyal qui investit dans réussite travail institution. Je dis à, je voulais renouveler ça, directeur général, que vous avez un bon côté, un collaborateur loyal. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'entendre
dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Thank you.